District Média était sur place le jeudi 1er octobre dernier à l'occasion de l'ouverture de la 51e édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pour l'occasion, il y avait au-dessus de 300 auteurs et illustrateurs de la région qui étaient de la partie, de même que de nombreux amateurs de lecture. Fill me up. I wanna be new again. Cool me out. I wanna know if it's true. I won't close my eyes until I see you. But I can't be sure, 'cause I might get fooled. Je me trouve actuellement en compagnie du candidat libéral Marc Peterson. Salut Marc. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien, merci. Qu'est-ce qui explique votre présence aujourd'hui au Salon du livre? Ben, c'est que moi, j'ai toujours aimé la lecture. Puis c'est pas une question politique, là, parce que je passe à travers les gens, puis je ne sers pas de main. Je viens pas ici de faire du racolage politique. Je viens voir les gens. Les gens que je connais, je vais leur serrer la main. Mais je m'intéresse à ce qui se passe au niveau des livres. Puis j'ai justement acheté un livre pour un enfant défavorisé. Là. Je me trouve actuellement en compagnie de Virginie Tanguay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine ici, en fait. Oui, écoute, moi j'associe les aquarelles et les textes, donc aquarelliste et auteur ici pour Edizio. Et puis vous avez publié combien de romans jusqu'à présent? Bien, d'abord, il ne s'agit pas de romans, mais bien d'associations d'aquarelles et de récits, OK? Donc aujourd'hui, bien, j'ai Artefact, là où nous sommes, tome 1, qui a été repris par la maison Edizio, qui était à la base un livre à compte d'auteur. OK. Et puis tout nouvellement sorti des presses. C'est fait, lieu d'origine tombe 2. Et pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de ces livres-là, de ces récits, de ces aquarelles? Bon, alors moi, je relate beaucoup d'événements historiques. Je parle du folklore québécois. Je vais chercher des événements, des lieux, des personnages, des situations qui, moi, m'inspirent. Et puis, mon but, c'est de rappeler cette histoire-là pour ne pas qu'elle soit oubliée. C'est vraiment une belle initiative. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine ici au Salon du Livre. Merci beaucoup. Au plaisir.